Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la Glossy Box du mois de février. On est le 2 février et je l'ai déjà reçue, donc voilà. Je comprendrai jamais les dates de livraison chez Glossy Box, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la box sur le thème love, mais forcément la Saint-Valentin je pense. Et la boîte est très très jolie, j'adore ces couleurs, moi le rose. Hein. Je suis une fille pas pour rien, donc j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le design de cette nouvelle box et on va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Alors, donc ce mois-ci, la box, je vous la montre. Quand on ouvre, ça se présente comme ça, donc c'est un joli petit nœud bien rose, encore une fois. On a un petit livret, In Love with Love, qui est très très joli. Avec dedans, bien entendu, tous les produits qu'on aurait pu avoir ou qu'on a. Et voilà, et également des petits coupons pour les cadeaux où il y a marqué 2 pour love, coupon, un câlin, ben voilà, de Sarah pour un tel. Donc ça, je trouve ça très mignon, c'est très sympa comme petite chose. Également, on a une offre du mois pour les produits Hunt avec, vous avez moins 15% sur le maquillage de la marque Hunt, je connais pas. Voilà, donc c'est le code MU15 Glossy, je vous le mettrai également en dessous. Donc voilà, et aussi on a L'Oréal, soyez hot, changez de style, c'est la nouvelle gamme Studio Line Hot. Et voilà, on a juste ce petit papier, je sais pas pourquoi. Donc j'ouvre cette box en même temps que vous. Je sais pas si c'est mieux, non c'est bon. Alors, premier gros produit qu'on découvre, je vous montre quand même, hein. Ça se présente comme ceci. Donc forcément, on avait le petit coupon L'Oréal et on a le Hot & Go idéal avec un sèche-cheveux. C'est le spray coiffant technologie thermoactive. Donc c'est un séchage ultra rapide et ça crée du volume. Donc c'est pour les brushings, je suppose, voilà. Et c'est pour, voilà, pour les brushings plus faciles avec déjà un volume. À tester, je suis pas la pro de la coiffure. Mais pourquoi pas à tester. Voilà, donc ce produit à la base, je vais vous dire combien il valait. Il vaut 5,10€ les 150ml et nous avons les 150ml. On passe également avec un produit de Dr. Brandt, c'est le nettoyant démaquillant visage et yeux. Donc je suis très contente, Dr. Brandt, c'est une marque qui est en vente chez Sephora, je sais. Et généralement, c'est des produits anti-rides. Donc voilà, et là celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit sur celui-là, au démaquillage tout en douceur, c'est un antioxydant qui capture aussi l'excès de sébum, donc c'est pas mal, les impuretés, les résidus du maquillage en un clin d'œil, ce nettoyant convient parfaitement aux yeux sensibles, donc voilà, il part. Qu'est-ce qu'il dit de plus, rien de plus, appliqué matin et soir, au niveau de l'odeur, mais ça sent rien, comme ça sent rien donc. Il ne doit pas avoir d'odeur, mais je suis très contente pour partir en voyage. Ce format, c'est très sympa. Donc sinon, normalement, c'est 29€ les 200ml. Et nous avons 60ml. Je vous montrerai, je vous dirai combien ça coûte en dessous. Pour l'instant, je suis hyper contente. On passe par un autre produit. Et là aussi, je suis super contente. C'est le fameux Step One de la marque Makeup Forever. Donc lui aussi, il vient de sortir. Par contre, on a vraiment une miniature. Je ne sais pas si vous voyez. Toute petite. Et là donc c'est le smoothing primer, c'est une base lissante de chez Makeup Forever. Et voilà, à appliquer sur l'ensemble du visage pour un maquillage uniforme. Et après on applique son fond de teint après. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Je suis très contente, à la base il coûte 31ml pour 31€. 30ml pour 31€. Et là on a 5ml, donc on a un tout petit format. On continue avec le baume à lèvres teinté de chez Royal Apothique. Donc c'est une marque que je ne connais pas. Apparemment c'est une marque londonienne. J'ai jamais eu. Ah, il est tout mignon. Je crois que celui-là il était dans une box spéciale, le Glossy Box, je sais pas. Donc le packaging est hyper girly, franchement j'aime beaucoup. Au niveau pas forcément d'odeur et par contre couleur très très légère. Mais voilà, c'est mignon pour teinter discrètement ces petites lèvres. Donc gourmand et girly. Je trouve pas qu'il ait d'odeur. Il hydrate les lèvres tout en déposant un délicat de sillage parfumé et coloré.
suis bête ou quoi? Ouais. Non, je le trouve pas forcément gourmand. Ou alors c'est parce que j'ai un autre rouge à lèvres en dessous, je sais pas. Et ça vient des États-Unis, donc c'est une marque apparemment même pas de Londres. Je sais pas pourquoi il y en a. Ah, London, Los Angeles. Mais ça vient des États-Unis. Donc voilà. Et là, ça, il vaut 13,40€ le petit gloss comme ça. Et je finis ma box avec le vernis de chez Sephora. Donc je pense que celui-là, vous le connaissez toutes. C'est les vernis que font Sephora. Ils coûtent pas très cher, hein, je crois, ces vernis. Ils coûtent, voilà, 4,95€ le vernis. Au niveau de la couleur, c'est une couleur plutôt mate. Color It Cross the Line. C'est la couleur Color It Cross the Line. Et c'est une très jolie couleur. C'est un rose qui tend vers les violets, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas l'aubergine, hein, mais presque. Voilà. En tout cas, c'est une très très jolie couleur. Au niveau de cette box, que dire, c'est que... Déjà, tous les produits, je les aime bien. Ils sont tous roses, ils sont trop mignons. Ensuite, il y a un peu de tout, encore une fois. Donc ça, c'est bien. Il y a les cheveux, le soin, le maquillage et les ongles. Donc ça, c'est super bien. Un truc que j'adore chez Glossybox, c'est que voilà, généralement, il y a un peu de tout. Et vraiment, ça, c'est bien d'avoir un peu de tout. Et après, voilà, je suis assez satisfaite des produits pour ce mois-ci. Par contre, un truc que je comprendrai jamais, c'est leur délai de livraison. Pourquoi il y a certains mois, on ne le reçoit pas avant le 15 et là, on est le 2, je le reçois. Mais bon, c'est comme ça. Je vous mettrai donc le total de cette box. Pour moi, c'est une box assez, voilà, bien. Franchement, elle a l'air d'en valoir son prix. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, sûrement un concours. La prochaine qui arrive, il y a un petit concours, quelque chose à gagner. J'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo DIY. Comment fabriquer sa Vernitech que vous voyez là grâce à des colis, notamment là des colis Glossybox. Donc je vous explique.